No, the guitar. Nambenzele bayanga bu guitar. Bayanga nga inda nambenzele bu guitar. On appelle ça nambenzele guitar. Pourtant, en français, on dit l'harpe. Mais nambenzele c'est guitar. C'est ça que je veux fabriquer une meilleure qualité pour amener ça à l'usée de l'homme en France. Pour que ça soit comme souvenir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a appris beaucoup de musiques traditionnelles, les musiques de nos ancêtres, des autochtones, des Baka. Faut me calmer. Je pars en forêt avec Romain et Vanessa. Ils m'accompagnent pour aller couper un tronc d'arbre pour fabriquer deux arbres. Je vais d'abord faire tomber ça pour que je coupe ça ici. Je vais couper deux parties, en deux parties. Je te salue, la sœur Sylvie. Je n'ai pas beaucoup à te dire, mais c'est tout ce que j'avais à te dire. Merci beaucoup à ce que tu as souhaité de me donner. Merci. Bon courage, Sylvie. Le bois là, vraiment c'est bon pour la guitare de maman Sylvie. Parce que c'est ici que je vais mettre les cordes. Bon, après quand je vais tailler tout ça comme ça, je vais tailler, ça va devenir juste. Et quand je vais mettre dans le trou que je vais creuser là, bon, maintenant je vais couvrir avec la tôle et après ça, ça deviendra ok. Donc, il y a guitare en jour. Il y a Sylvie Kabakomande. Donc, guitare en jour, c'est beau. Allez, guitare doit y aller en deux, mumiser de l'homme. Mumiser de l'homme, bébé. Guitare doit y aller en gonne de po. C'est bon. C'est bon les armes. Romain, je voulais te donner. J'ai voulu te vendre l'ancienne guitare, mais j'ai vu que c'est déjà vieux. Donc je dois fabriquer une guitare tout neuve pour amener ça dans la musée de l'homme.
Ça là, je voulais tailler pour fabriquer la main de quelqu'un qui dit bonjour aux gens. Donc c'est avec ton petit couteau que j'arrangerai la main d'une personne. Là, je suis en train de parler pour la commande de Madame Sylvie. J'ai dit comme ça, j'ai dit c'est grâce à sa commande que j'ai vu mieux dans ces jours qui viennent de passer. Parce que j'étais vraiment dans la famille, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup du monde. Donc, ils ont vu par rapport à l'argent. C'est grâce à l'argent que Sylvie m'avait envoyé, c'est ça qui m'a aidé pour nourrir la grande famille, là. La famille élargique, où il y a les cousins, les oncles, les papas, les mamans, beaucoup de monde, les petits-enfants, tout ça. Comme moi, je suis de la famille élargique, donc je suis habitué pour nourrir beaucoup du monde. Et comme je touche aussi un peu partout des petites bricoles, hein, je peux travailler pour des trucs comme ça et en même temps j'enseigne aussi à l'école. Bon, c'est ça qui me permet de nourrir beaucoup du monde chez moi. C'est parce que je connais un peu, quand même un peu plus de choses à faire, de savoir-faire. Comme c'est Dieu qui m'a donné ça comme don. Donc le don donné par Dieu, c'est quelque chose que tu peux vivre toujours. Parce que c'est des dons donnés par Dieu, quoi. Donc j'ai quand même la sagesse, j'ai un peu de connaissance aux anges. Donc cela, ça fait que je ne peux pas souffrir dans ma vie, quoi. Comme j'ai été à l'école, j'ai appris à l'école. Voilà, il faut maintenant tenir ici. Voilà. Fais ça, tu fais ça pour que la main sorte bien, hein. Avec ça, on peut tuer le gros poisson. C'est 50 francs. C'est cher, hein? Bon, Romain, donc, avant de mettre les cordes, je dois trouver d'abord les trucs que je vais mettre. Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Limon.
Voilà, remets donc ça là, ça permet à l'homme de mettre les doigts ici. S'il y a une corde détachée là-bas en haut, bon, si ça tombe dans le trou de l'harpe, ça peut permettre à l'homme de mettre les doigts ici pour sortir ça. Maintenant, tu prends le petit bout de bois. Tu sais arranger ça, JP? Tu ne connais pas arranger, monsieur JP. Laisse. C'est papa François Mouzanda. Attends, Namana. JP, laisse. Appeler Sylvie pour lui dire que vraiment à la finale, vraiment c'est devenu chaud. À la finale, Sylvie. À cause de ton argent, Sylvie, vraiment, là, on ne va pas dormir, là. Come on.